Bonjour les amis, c'est toujours un réel plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du lit à coucher. La position idéale pour que vous ayez le bonheur dans votre maison, la position de votre lit. Nous allons parler de cette astuce fabuleuse dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement sensibiliser tous mes abonnés, tous ceux qui visitent ma page, de bien faire attention au coronavirus, de respecter les consignes et surtout de rester chez vous. En plus, vous devez aussi vous abonner. Il y a une page qui va passer et sonner la cloche et cliquer sur tout pour que vous puissiez avoir les nouvelles publications de Secret Naturel Choco. Les amis, si vous êtes de passage et que vous êtes tombé par hasard sur mes vidéos, je voulais simplement vous dire que vous êtes la bienvenue sur ma page Secret Naturel Choco. Nous sommes une grande famille de 172 000 abonnés. Les amis, c'est fabuleux. Vous allez avoir une grande famille et vous allez visiter les vidéos. Vous pouvez taper dans YouTube Recherche Secret Naturel Choco. Alors vous allez tomber sur ma page. Vous allez avoir mes anciennes vidéos, mais vous devez d'abord vous abonner pour recevoir plus d'avantages, le programme du mois, les programmes de la semaine et les vidéos déjà programmées qui vont vous donner un peu de peps. Les amis, je voulais vous parler aujourd'hui du lit. L'emplacement du lit, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais je vais vous montrer quel est l'emplacement la plus idéale pour que vous puissiez avoir le bonheur dans votre maison? Selon ma grand-mère, on ne pose pas, on ne place pas le lit dans n'importe quel endroit. Vous allez me demander dans quel endroit il faut réellement la poser. Si vous avez posé votre lit dans votre maison et que la position de ce lit vous dérange, ou depuis que vous avez mis ce lit dans cet emplacement, vous n'avancez pas dans votre vie. Regardez les meubles qui sont dans votre maison. Dans quel sens elles sont placées? Comment vous avez mis votre fauteuil de votre lit, de votre maison? Comment vous avez positionné votre lit? Elle regarde le soleil, elle regarde le mur, elle regarde le sud, elle regarde est-ce que la porte est fermée sur vos affaires ou votre lit? Votre fenêtre est ouverte sur votre lit pour laisser rentrer où vous avez mis votre tête sous la fenêtre. Il y a tous ces facteurs qui sont très importants parce que le lit ne doit pas être posé sous une fenêtre. Votre fenêtre est là et puis vous avez votre lit en bas. Non, non. Vous devez mettre le lit dans un sens où quand vous ouvrez où quand le soleil, la fenêtre elle s'ouvre, vous voyez la fenêtre. Donc le matin, vous ouvrez vos fenêtres et vous laissez rentrer la gloire de Dieu. Bon, les maisons sont parfois construites mal et on est obligé de mettre le lit sous la fenêtre, mais ce n'est pas bon du tout. Ça va vous empêcher d'avoir des ouvertures puisque vous êtes contre l'ouverture. La maison ne doit pas être totalement fermée. Vous devez laisser la fenêtre dans le sens de votre lit. Donc, vous posez le lit comme ça et la fenêtre est juste comme ça en face de vous. Vous voyez la fenêtre. Ou soit, voilà la fenêtre et vous posez le lit de sorte que vous allez, je vais vous donner une indice fabuleuse qui pourrait peut-être vous aider dans ce sens-là. Si vous avez posé vos meubles, le meuble ne doit pas doit donner face normalement au lever du soleil. Vous ne pouvez pas mettre votre meuble de sorte que vous êtes contre. Donc, si vous êtes rentré dans votre maison et que vous avez vu que vous avez déposé vos meubles, que ce soit le lit, que ce soit les meubles de la maison, elles sont dans le même sens. Si vous ne vous en sortez pas dans ce que vous entreprenez, dans votre travail, dans votre mariage, vous voyez qu'il y a un problème et que vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes tout le temps malade. Depuis que vous êtes rentré dans cette maison, vous êtes malade. Changez les positions de votre meuble dans un autre sens. Il faut que les meubles soient posés de sorte que si vous voyez le soleil puisse rentrer dans votre maison. Lorsque vous cherchez une maison, remarquez très bien l'emplacement de la maison. Elle est en face ou elle est dans quelle position pour voir le soleil rentrer dans votre maison? Dites-moi. Bon, il y a des gens qui ne font pas attention à ce détail, c'est très important. Il y a des gens qui n'ont même pas le soleil dans leur maison. C'est un problème. Ça ferme toutes les portes. Je ne dis pas que c'est possible, mais ça pourrait être une porte fermée pour vous.
Si vous êtes dans une maison et que vous voyez qu'il y a trop de blocages dans votre vie, rassemblez toutes vos affaires. Le lit, surtout là où vous dormez, vous devez changer vite sa position. Ça veut dire que la position que vous avez empruntée dans la maison n'est pas favorable pour votre aura. Parce que nous avons un aura. Nous avons aussi une puissance qui doit se développer. Le bien, l'amour. Et si ces facteurs ne sont pas pour vous, depuis que vous avez placé votre lit, ça veut dire que la position de votre lit n'est pas bonne pour votre aura. Alors, vous devez changer la position dans un sens où vous pouvez facilement profiter du bonheur que vous avez. Voilà. Si vous êtes malade, alors là, c'est compliqué. Remarquez très bien, dans les hôpitaux, on ne change jamais les positions des lits. Et regardez comment les positions des lits sont faites. Parfois, ils sont faites dans le même sens. Dans le même sens, dans le même sens. Il faut changer la position du lit. Si vous arrivez dans un hôpital et qu'on vous met dans un lit et que la tête est là-bas, vous, le soir, quand vous allez dormir, vous devez juste changer de position. Là où les gens mettaient les pieds, vous mettez vos pieds là-bas. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des démons qui visitent les hôpitaux. Et si vous êtes couché dans la même position, ils vont penser que vous êtes la victime qu'ils cherchaient. Alors, si vous changez de position, vous allez voir que vous allez même dormir mieux. Les visites, ils ne vont peut-être pas vous voir. Si vous êtes dans votre maison et que vous avez beaucoup de mal à changer la position de votre lit en fonction de la chambre, vous devez simplement changer là où vous mettez votre tête. Vous mettez votre tête dans une autre position, ça veut dire là où vous mettez vos pieds. Vous essayez ça pendant au moins des mois et vous verrez les changements qui vont se produire dans votre vie. Si vous avez vos habits, parce que les habits accrochés, rangez vos affaires, vos habits dans votre chambre. Si vous avez l'habitude de laisser en vrac vos habits, essayez de mettre un peu d'ordre dans votre chambre, là où vous dormez. C'est très important. Parce que si vos affaires sont rangées, vous-même là, vous serez content de rentrer dans la maison. Alors, vous allez profiter des ondes positives qui sont dans la maison. En fait, il y a les petits détails que nous négligeons, mais qui sont très importants. Voilà, vous voyez le lever du soleil. Si vous voulez placer votre lit, regardez où le soleil s'élève. C'est très, très, très important. C'est très important. Parce que si vous voyez où le soleil s'élève là et vous posez le lit dans ce sens, sincèrement, vous allez voir que les choses vont s'élever rapidement dans votre vie. Rapidement. Et donc, si vous êtes dans un seul sens et que vous voyez que si le soleil s'élève ici, vous avez placé la maison dans un mauvais sens, il peut y avoir des blocages. Je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais je dis que si vous sentez que vous avez des difficultés et que les choses n'avancent pas dans votre vie, voilà une astuce qui pourra peut-être vous aider à désactiver certaines zones négatives qui vous empêchent de rentrer dans votre bénédiction. Surtout, l'emplacement du lit. Vous devez le mettre dans le sens du soleil qui s'élève. Dans le sens du soleil qui s'élève. Si votre lit ne peut pas se placer dans un autre sens, à pas le sens où vous trouvez, alors mettez votre tête là où vous mettez vos pieds. C'est très important. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces fabuleuses de secrets naturels choco, les amis. À bientôt, les amis. À bientôt pour d'autres astuces qui pourront vous fasciner. Au revoir.